Ah, ah, si, 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 j'ai fait le... Ah, attends, attends. Ah, ah. Si vous écoutez la radio, moi, bon, j'écoute ce matin, écoutez France Inter, encore, comme d'habitude. Ce matin, sur France Inter, Jean-Marc Four qui nous a fait un beau discours sur la cravate de Jean-Luc Mélenchon. De grandes métaphores pour remercier son pote Cohen qui se barre de France Inter pour s'installer sur Europe 1. Ah, tu pas. La radio la plus standard de France. Quand je parle de Cohen, c'est pour Léonard. Non, l'autre. Ce Patrick-là tombé dans le chaudron à Macron. Celui qui ne supporte pas la contradiction. Celui qui s'écoute parler avec son nombril. Quand je pense que moi, JFL, je l'écoutais depuis des années. Moi qui suis biberonné à la France Inter sans y avoir pris garde. Moi qui n'ai pas fait gaffe à ces phrases enjôleuses qui nous ont amenés dans la macronisation la plus abjecte et silencieuse turpitude. Ah, vous ne me manquerez pas beaucoup, monsieur Cohen. Je n'irai pas vous chercher dans ces stations de radio issues du formatage publicitaire. Non, non. Ah, cependant, je fus quand même récompensé par votre invité du 7-9 qui débarqua sur votre plateau avec sa gratte et son talent. Je veux parler de Bernard. Pas Bernard Guetta, ni Bernard Kouchner. Non, 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 je veux parler de Lavillier Bernard, vous savez. Ce grand gaillard insoumis de 70 balais de Bernard Lavillier. Tape juste, lui. Hein. Impossible qu'un petit Cohen, surtout quand il s'appelle Patrick, le désingue même quand il sous-entend qu'il est proche de Jean-Luc. Vous savez, ce mec des insoumis qui se décravate pour faire un soi-disant un coup médiatique avec ses potes tout aussi intelligents qu'insoumis. Il y a des jours, vraiment, on ne regrette pas de vivre encore un peu. Rien n'est sorti de votre bouche à ce moment-là, monsieur Cohen. Que des banalités, pas nécessaires à notre culture. Vraiment, oui, d'un coup, les matins deviennent agréables, moi qui ne les aime pas d'habitude. Le comble du con. L'homme aux mains d'or s'est mis à chuchoter à nos oreilles fragiles. Andrew Roll again, si, 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 en direct avec sa rap et son génie des mots. Décidément, monsieur Cohen, vous n'êtes pas Léonard, pas plus qu'Albert. Je vous remercie quand même d'avoir invité ce monstre de Bernard ce matin. C'est Lavillier du chaudron de Saint-Étienne, et non pas celui d'un Macron fade et sans saveur. Ah, je vous souhaite vraiment un bon voyage de l'autre côté du service public, monsieur Cohen. Patrick, ici. Adios. Adios.